là, Dieu est au milieu de nous. Sommet de Lydia, Dieu y siège, il demeure au milieu des louanges de son peuple. Nous présents, nous, mais Jésus n'est pas juste présent, il est au milieu des louanges de son peuple. Dans une version Lydia, dans les English, et Dieu nous louange, il intronise Jésus. Nous louange, il est comme un trône pour Jésus. Ce matin, nous donnons honneur à la louange, l'adoration ce matin. Nous faisons le lisier. Nous vous disons, Seigneur, tu es là pour moi, adore toi, me louer toi, me bénir toi, me glorifier toi. Alléluia. Oui, tu es là. Oh. Moi, adore-toi.
Alors le Seigneur l'Esprit en vérité, le peuple de Dieu. Nous demandons l'eau du ciel. Nous demandons en esprit. Nous disons Alléluia. Nous disons Hosanna. Alléluia. Langage du ciel, Nando, mon Dieu, esprit en vérité. D'exclamation à celui qui sauve, à Jésus. Et je connais comme un faible, comme un aveugle, comme un pauvre, comme un malade. Je crie aux anins, les rêves de cardiaque, mon faux, mon guéri, mon riche, mon père de l'avant, mon éplioyé. Peuple de Dieu, si ce matin, vous avez une faiblesse, vous avez une manque, crie aux anins, au cardiaque, mon sorti là-dedans. Mon relève mon la tête, mon plus pareil. Ce matin, nous pouvons adorer. Plus qu'avant, plus qu'avant, nous vous donnons le meilleur à Jésus. Le diable, l'enfer, vous êtes tremblés quand on adore mon Dieu. Ben, démon, vous êtes tremblés quand on adore mon Dieu. Alléluia. Laissez-nous entendre le Seigneur pour la puissance qu'il a dans la parole de Dieu, dans la bouche, qui sans atmosphère, sans destinée, sans de la vie. Alléluia. Alléluia. Je suis libre.
Je me prosterne.
Que ton nom soit béni en tout temps et à jamais, Seigneur. Alléluia. Bonjour, frères et sœurs en Christ. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Alléluia. Et il y a un plaisir pour porter à vous la parole de Dieu maintenant, pour apporter le message de Dieu qui, bon Dieu, fait mettre dans nous le cœur. Pour cause avec vous, pharisiens, nous insistons sur un point très très important et de la vie spirituelle. Et c'est un mot qui se fait souvent des fois tendre, un mot, une expression plus ou moins, c'est nous cause la mort spirituelle. Pour cause avec vous ce matin, la mort spirituelle. La mort avec Dieu, voilà. Je te rappelle, c'est d'un temps, moi, tu veux causer avec Zul, frère et sœur, concernant et Aaron et ses fils qui t'y consacrés pour les services de Dieu. Comment vous aurez, tu viens de l'oreille sanctifiée. Vous êtes l'âme, tu viens de l'âme consacrée. Mais aussi, vous êtes les pieds, tu viens de les pieds consacrés. En parlant des pieds, nous faisons couvert certains aspects dans les semaines précédentes. Et un des mêmes plus grands aspects qui me cause avec eux, c'est concernant les Écritures qui lavent et les pieds de ce même disciple, de ce même apôtre. Et je suis arrivé sur les autres pharisiens, comment et lave les pieds de ce même apôtre, qui est simplement une expression très significative. C'était une image. C'est une signification de Yéla. Jésus-Christ lave les pieds de ce bon apôtre. Mais nous tous connaissons, pharisiens, que Jésus-Christ est lui-même le Seigneur et le Maître. Et il finit arrivé, lave les pieds de ce bon apôtre. Parce que Jésus-Christ veut montrer que s'il est le Maître, lui-même le Seigneur, il peut laver les pieds de ce bon apôtre. Et il peut démontrer pour ça qu'il il peut montrer un acte d'humilité vis-à-vis de ce bon apôtre. Mais il est au service. Il est là pour servir. Il est là pour mettre à la disposition de ce bon disciple, de ce bon qui n'est pas une personne qui peut croire en lui. De fin de la cause de l'homme, mais nous ne pouvons pas trop en détail. Parce que moi, je suis dit, je suis dit, parce que c'est trop important qu'il nous passe légèrement Lola. Une des bonnes grandes raisons que Jésus-Christ lave les pieds de ce bon apôtre, de ce bon disciple, c'est parce que tu peux envie de montrer aux autres qu'il y a une attitude qu'ils ont besoin de casser aux autres. Parce qu'à cette époque-là, à ce moment-là, pharisien, bon apôtre, tu as une tendance aux autres l'équerre. Qui s'en a qui pouvait être plus grand parmi eux? D'ailleurs, Zébédé, mes enfants Zébédé, Jean avec Zach, votre maman finit vers Jésus et dit à Jésus, tu connais, mais demande-toi une faveur, une grâce. Permets que mes deux garçons, un assis à droite et un assis à gauche dans ton royaume. Et ce qu'il dit très clairement, pharisien, si un quelqu'un voulait venir grand, dans mon royaume, il faisait être le plus petit d'abord. Pour montrer, pharisien, que maintenant tu peux retirer ma position. Et ça, tu l'as fini du temps exister, pharisien, parce que ce qui m'en apporte, tu peux manifester. C'était une attitude qui Lucifer a été manifestée. Le diable. Parce que tu rôdes. Vine pareil comme un bon Dieu. Et tu veux même prendre la place de Dieu. Et tu es précipité, et tu es rejeté. Jusqu'à maintenant, pharisien. Et nous connaissons qu'il y a une condamnation pour Pézoli. Et cette tendance-là, pharisien, il y a encore existé. Nous vivons plus meilleurs que les autres, nous vivons plus grands que les autres. Et nous tous connaissons qui dans la société. Il y a des gens qui même acceptent faire ben ce qui est inacceptable. Ou simplement
reprend position. Mais la Bible montre nous très clairement que c'est ce que tu veux montrer à ce bon apôtre qui servis-moi, c'est un acte d'humilité. Si tu en vivine le premier, je deviens le dernier. Si tu en vivine plus grand, je deviens plus petit. D'ailleurs, la Bible dit nous très clairement que l'humilité lui précède la gloire. Ça veut dire que quand si quelqu'un ne peut pas dire qu'il atteindre, il ne peut pas trouver dans la vie une grande manifestation, il rentre dans une grande position, il faut dire qu'il y a un acte d'humilité d'abord. Parce que l'humilité précède la gloire. C'est la Bible qui dit ça, pharisien. C'est pour ça, pharisien, qu'il est tellement important qu'en parlant de la mort spirituelle, il y a un acte. Il y a la mort remplie d'humilité, remplie d'amour, remplie de compassion et remplie de bonnes intentions. C'est un bon motif, moi, de dire. C'est que quelqu'un m'a gagné l'occasion, cause de là, demain lundi, dans nos rayons de délivrance, et vous pouvez expliquer à quelqu'un qui l'a comment, si une envie est d'un démon, il y a besoin de la compassion pour lui d'abord. Compassion veut dire, mets-moi dans ce lapeau, mets-moi dans ce soulier. M'arrivé à comprendre que ça dit mon appel ressenti, dans ce moment qu'il y était là. Quand il peut souffrir, il faut des mots ressentis, premièrement, cette souffrance. La lèvre, vous ne pouvez pas sortir là-dedans. Au cas contraire, pharisien, nous ne pouvons pas prier pour mettre des mots, et mettre des mots, pas sortir dans une bonne situation. Tente-nous pas mettre nous dans ce lapeau. Tente-nous pas ressentir ce qu'il peut ressentir. C'est un homme de Dieu qui t'a déjà dit, et tout le temps, au final, on lui dit ça. Il dit que, à chaque fois qu'il priait pour un quelqu'un, tant qu'il n'a pas ressenti physiquement, ce qui est quelqu'un n'a pas ressenti physiquement, il ne connaît pas quoi et n'a compassion pour ça, mais le moment qu'il priait pour un quelqu'un, pour qu'un quelqu'un sorte d'une situation, et tant qu'il a senti ça, l'influence, il ressentit sa souffrance, il ressentit sa douleur que ça dit mon appel ressenti. Et tant qu'il continue à prier, il a ressenti sa douleur là, il connaît que mon âme délivré là. Il y a autant de vrais pharisiens qui, quand nous prions pour un démon, nous devons prier avec lui dans une attitude qui est persistante. Il sera que mon âme sorti là-dedans. Sorti là-dedans veut dire il arrête de gagner douleur là, là, moi aussi, moi, arrête de gagner douleur là. Il arrête de souffrir et moi aussi, moi, arrête de souffrir. C'est ça qui fait les gros problèmes. On peut dire, comme un homme de Dieu, comme un pasteur, beaucoup d'erreurs qui nous font. Quand nous prions pour ben du monde, nous pas mettre vraiment nous les quilles là-dedans. Au fin de ça, dire aux pharisiens qui souvent, des fois, tout ben qui ken, la main dans le poste peut prier pour ben du monde. Puis poser la main. On pose mal la question. Un la main dans le poste, un la main dans la tête. Ils sont mal dans mon lit, pharisiens. Parce que si on a compassion, on l'a mis dans le poste pour prier pour un démon. Au plus, on l'a mis sur la tête pour prier pour lui, on l'a mis pétainé à lui, pas dans le poste. Parce qu'il veut dire qu'il y a une question qui ne va pas faire pour compassion, vous-même. Et nous ne capables pas tout qui se arrive. Et ça, ils font partie dans la mort chrétienne, dans la mort spirituelle, la mort avec Dieu. C'est pour cela qu'il me continue dans même l'esprit en parlant des pieds. Pourquoi savez-vous que les pieds les symbolisent nous la mort avec Dieu? Comment nous mort avec bon Dieu? Et un mot qui est très en vogue, qui existait depuis très très longtemps, les mots chrétiens. Qui sont ceux qui entendent ce mot-là, les mots chrétiens? Tu beaucoup pas connu. Et pourtant, tu es tout un chrétien. Je n'ai pas connu qui veut dire chrétien. Je n'ai pas entendu le mot. Quoi. Ils sont mal. Chrétien. Nous disons la vie chrétienne. La mort chrétienne. Le mot chrétien, pharisien, est sorti dans le mot Christ. Le mot Christ,
Et n'as-tu connu qui veut dire Christ? Christ, c'est dans les mots grecs qui veut dire Christos. Qui veut dire quelqu'un qui ouin. Quelqu'un qui Dieu finit choisir. Quelqu'un qui Dieu finit envoyer. Jésus le Christ parce qu'il t'est envoyé de Dieu. Et mon parle plus loin pour dire ok, en parlant de Christ. Christos. Quelqu'un qui ouin. Quelqu'un qui envoyé. Pour dire ok, quelqu'un qui envoyé pour faire un travail. Et spécifique. Pas pour faire n'importe qui travail, pas n'importe qui mission, mais une mission spécifique. Un travail bien établi. Qui fait mon capable de dire où Christ envoyé pour un travail spécifique, pour un travail bien établi, parce qu'il est depuis dans l'Ancien Testament comme de Jésus-Christ. Depuis au commencement même, dans la Genèse, il cause nous un quelqu'un qui peut venir pour nous sauver la race humaine. Il veut dire un plan bien défini et bien détaillé. C'est pour cela qu'il nous connaît que quand Jésus-Christ vient sur la terre, hein? C'est pas quand il vient sur la terre qu'il peut apprendre comment il peut mourir. Il connaît quand il peut venir même comment il peut mourir. Et tu connais quand il est pour la terre, qui a des travaux, il peut bien faire. Ce n'est pas quand il vient de la terre qu'il peut l'apprendre, qu'il peut bien faire. Il est dans le ciel, Jésus-Christ. Il est en tout temps avec Dieu. Ils font partie dans Dieu. Il est Dieu. Et quand il finit de venir, il connaît qu'il peut venir faire. Mais il te connaît aussi. Corbana peut retuer lui avant solaire et les connaît qui pas solaire. À cause même qui t'y réprimande sur Banapote, Corbana dit lui, Seigneur, tu pas trouvé, tu peux dormir dans un bateau, connu par le mot, Jésus-Christ connaît pas pour mot noyé. Et les mesures dans autre place, les réprimandes autres, les corrigent autres, les faisent conscients qu'ils n'ont pas pu réaliser qu'ils ont pu dire. Et lui, tu même connais, pharisien qui il faisait un mot d'abord et ressuscité, et qui ensuite, il pouvait proclamer comme un roi. Mais Hérode pas trop comprend ça. Parce qu'il dit, je crois que Jésus-Christ peut venir remplacer un des rois physiques. Est-ce que tu connais tout ça là, pharisien? Et il dit, mon héritier, ce qu'ils m'ont mangé, moi, mon héritier, c'est faire la volonté de mon papa. Il fait mon fils venir d'ici pour ça tout seul. C'est ce qu'il dit. En fait, nous, la vie de Jésus, c'est la mort en lui-même. La mort, c'est appelé la mort de Christ. La mort de Christ. Maintenant, nous disons chrétiens. Un chrétien qui mort dans les traces de Christ. Un chrétien, c'est un quelqu'un qui unit à Christ. C'est un disciple de Christ. Comment on dit en anglais, un follower de Christ. Il y a un seul avec le Christ. C'est ça qui veut dire chrétien. Le chrétien. La mort chrétienne. Mais nous connaissons les pharisiens qui, parfois, hein, les mots chrétiens, sont un petit peu tabou. Parce qu'en tout temps, les paraît comme tabou, mais pourtant, un grand la gloire, le sang, là. Le mot chrétien, il y a un grand la gloire, là. La gloire de Dieu, moi, je veux dire. Il y a un grand la gloire. Mais pendant plusieurs années, il finit un mot tabou. Dans le sens qui, surtout à l'île Maurice même, quand nous causons chrétiens, on associe chrétiens avec une certaine communauté. Parce qu'il y en a un chrétien qui est dans une communauté. C'est pas grave du tout, pharisien. À cause de ça, beaucoup de gens se craignent pour prendre une décision pour Jésus. Parce que pour eux, Jésus veut dire une certaine communauté.
Ça, c'est un travail purement diabolique, pharisien. Fait du monde croire que quand Jésus est Jésus-Christ, le chrétien, il a un rapport avec une certaine communauté. Et c'était une stratégie purement diabolique qui utilisait l'île Maurice pour faire du monde pas croire dans l'évangile. Parce que aussitôt qu'il cause Jésus-Christ, il cause l'évangile, il vient avec sa tabou. Il devient une certaine communauté. Quand il parle du tout, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus donne-nous la vie éternelle. Quiconque les dit, qui race, qui communauté, dans n'importe qui pays, qui te compare sur outil, qui coulait à te la peau. Mais il n'y a aucune différence quand nous en Jésus-Christ, pharisiens, maintenant. Bon Dieu, il guette cette fois-ci, pharisiens, il guette un seul enfant, il guette quand il guette la terre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en Christ ou bien il n'est pas en Christ? Un point, c'est tout. Est-ce qu'il y a une race de Dieu ou bien il n'est pas une race de Dieu? Est-ce qu'il y a un peuple de Dieu ou bien il n'est pas un peuple de Dieu? Est-ce qu'il y a un élu de Dieu ou bien il n'est pas un élu de Dieu? Ça même qui est bon Dieu qui était. Il n'est pas pour que nous coulions la peau, il n'est pas pour que nous sévérions, que des linges nous mettaient, enfin, linges nous habillent bien, mauvais, pas ça, mauvais, qui nous fasse, qui nous mène l'habillement. L'habillement culturel plutôt, mauvais, hein. Pas ça qui est bon Dieu pour intéresser avec nous. Est-ce qu'il nous est en Christ ou bien nous pas en Christ? Et quand nous disons un chrétien c'est quelqu'un qui est en Christ. Il est ancré en Jésus-Christ. Vous venez d'affaire pharisien qui vous paraît un chicken faux. Il est possible qu'il y ait l'église tous les jours, mais pas pour autant qu'il y ait en Christ, ou en Jésus-Christ, ou un chrétien. Être un chrétien, c'était autre chose, un pharisien. Pas parce qu'il y a une église, tous les jours assisé dans l'église, qu'il y a un chrétien. Si tu besoin de l'église, si tu besoin d'être dans la présence de Dieu, si tu besoin d'écouter la parole de Dieu, mais ce n'est pas ça qui fait ouvrir un chrétien. Un chrétien, c'est un avis, c'est un pharisien, c'est un avis. Un style de vie, un style de vie de Dieu. Christ en nous, pharisien. Il n'est pas un titre simplement, pharisien, un titre pour un chrétien. Vraiment, il y a un cœur plus bien. Cœur plus bien, vacuacien, rosilien, chrétien. À l'époque, il y avait un hérodien. Même qui suivent Hérode. Ah, pharisien, puisque c'est là. Le chrétien, c'est un style de vie. Pourquoi on peut comprendre, je me dis aux pharisiens, parce que plus vous continuez, plus vous arrivez, plus vous comprenez. Parce que quand je dis un chrétien, il veut dire beaucoup de choses là. Pourquoi on peut comprendre là? Il veut dire beaucoup de choses là, il est plus de temps là. Il passe à faire comme si, je suis un chrétien parce que je prie Jésus-Christ. Ou bien l'autre dit, je suis un chrétien parce que je m'appelle Richard. Non, pharisien, pas là, là. Vous appelez Richard, vous pas un chrétien. Vous appelez assis dans l'église tous les jours, vous pas un chrétien. Chrétien, c'est un style de vie. À l'exemple de Christ, à la ressemblance de Christ. Et non seulement le verset, vous en pharisien. Le chrétien. De vous trouver que dans la Bible pharisienne, dans le Nouveau Testament surtout, que les mots chrétiens n'est pas trop figuré, n'est pas trop apparaître. Est-ce qu'il est bien à l'importance pour cela? Non, pharisien. Il y en a beaucoup sujets dans la Bible qui n'est pas trop couvert, être couvert par la Bible. Nous avons par exemple la nouvelle naissance. Quand est-ce qu'il se cause avec Nicodème, tu as besoin de naître de nouveau. La nouvelle naissance pharisienne nous trouve en grande ligne. Quand Jésus-Christ cause avec Nicodème dans Jean, le chapitre 3, je crois. Après, ça n'est pas tout le cause de la nouvelle naissance. Il n'y a pas beaucoup l'espace dans la Bible.
Mais les causes, nous venons d'un enfant de Dieu, une nouvelle naissance. Pour nous venir d'un enfant de Dieu, nous ne passons pas la nouvelle naissance. Tout à l'heure, pour montrer aux pharisiens, un chrétien, un quelqu'un qui porte le nom de Christ, auction, envoyé de Dieu pour un travail spécifique. Il y a besoin de quelqu'un qui a commencé, pas né de nouveau. Au cas contraire, nous ne sommes pas un chrétien, parce que nous ne sommes pas encore nés de nouveau. Nous ne sommes pas encore nés dans la famille de Dieu. Vous dites, il y a tout à l'heure là qui Jésus-Christ, le Christ, l'envoyé de Dieu, est venu pour un travail spécifique. Parce que c'est même quand il finit fait travail, là, tout est accompli. Tout est accompli veut dire qu'il finit fait tout comme il a besoin de faire, hein, pour qu'il gagne tout ce qu'il a besoin de gagner. Parce que Jésus-Christ, bah, tu fais tout comme il a besoin de faire, il est possible qu'il y ait quelque chose que tu ne pourras pas gagner. Parce que Jésus-Christ, bah, fait tout comme il a besoin de faire. En fait, nous pharisiens, quand nous disons un chrétien, nous en Christ, et qui ne peut continuer le travail de Christ, un chrétien qui continue le travail de Christ, c'est simplement pour permettre ben, du monde maintenant, conscient, que le Christ finit accomplir ce qu'il vient accomplir, pour permettre ce qu'il bon Dieu l'accomplir de toute la vie, l'y réaliser. C'est ça le travail d'un chrétien. Partage l'évangile. Partage la vie de Christ dans la vie de ben du monde. Permet ben du monde de faire l'expérience de cette action de Christ dans toute la vie, par la nouvelle naissance. Permet les autres rentrent dans le royaume de Dieu et demeurent dans le royaume de Dieu et grandissent dans le royaume de Dieu. Merci Seigneur. Le chrétien. Il ne prend beaucoup l'espace dans la Bible, mais c'est même un grand mot, ça. Il apparaît seulement trois fois. Vous dites, moi, le mot chrétien apparaît trois fois dans le Nouveau Testament. Extraordinaire. Seulement trois fois. On va pas coller le chiffre 3. On va pas coller le chiffre 3. Mais mon cousin connaît qui veut dire le chiffre 3. Trois fois, chiffre 3. Le chiffre 3 simplement veut dire entièrement. Et qu'apparaît trois fois, mais il est bien être un travail entier qui bon Dieu fait dans nos vies. Le chrétien, c'est un quelqu'un qui complète en lui-même, que l'appel du chrétien, c'est quelqu'un qui complète en lui-même, en Christ, il complète. Bon. La première fois que le mot chrétien apparaît de pharisien, il apparaît dans Actes des Apôtres, le chapitre 11, le verset 26, à Antioche. Et nous lis Ali. Les Actes des Apôtres, le chapitre 11, le verset 26. Merci Seigneur. Qu'est-ce qu'il dit à nous, pharisiens? Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. En fait, pharisiens, comme on finit de lire un petit peu de ma référence, on finit d'arriver à trouver que c'est pas un chrétien qui t'appelle, c'est même chrétien à Antioche. C'est pas l'Église qui t'appelle, la communauté des chrétiens dans l'Église. Je t'appelle nous chrétiens maintenant, appelle-nous même chrétiens, c'est là. C'était maintenant en Dieu. Qui fait? Parce que je finis trouve en bon disciple, ben quelqu'un qui paraît comme le Christ. Tu es capable de faire une distinction. Dans sa congrégation, dans sa population qui habite à Antioche, ben du monde qui a fait la différence, la distinction entre un quelqu'un qui est en Christ avec un quelqu'un qui n'est pas en Christ. Parce que la vie n'est pas pareil. À cause de ça, tu appelles le chrétien parce que c'est quelqu'un là, ce comportement, cette motivation, ce mouvement, ce langage. Totalement différent.
apaisement chrétien. Maintenant, il y en a pas qui s'en disent, moi un chrétien, moi. Moi, t'appelles Richard, tu es un chrétien. Et bah, dis-tu, un chrétien, il est vrai. Il trouve les Christ en lui. Un chrétien, il trouve les Christ en lui. Sur l'engrasse, sur façon de faire, sur le raisonnement, sur l'attitude, il trouve les Christ en lui. Les différences à quelqu'un là. Les différents. Par sa façon de faire. Par la façon dont ils trouvent les choses. Les différents. Est-ce que tu peux comprendre ce qu'a dit un pharisien? Beaucoup simplement. Beaucoup simplement croire. Beaucoup tout simplement, beaucoup simplement croire. Qui on peut comprendre, qui ne peut dire. Une madame qui arrivait ici, hein? Une madame qui dit ça, hein? Dans Matthieu, vous connaissez qu'il dit à Pharisée, cette madame-là? Je vais madame-là, même dans mon papier, là, oui. Matthieu 26, verset 73. Une madame. Les Templiers pérennisent Jésus-Christ, mais madame-là dit, tu n'as pas pu régner comme tu peux régner, mais c'est tout langage dire que tu es avec ça qui est là. Tout langage dire que tu es avec ça qui est là. Tout langage. Nous langage, ils définissent nous cause comme un chrétien ou bien nous pas cause comme un chrétien. Qui nous langage? Qui nous confessions? Comment nous causer? Langage. Avec des apôtres, chapitre 4, pharisien de tout connaître, qui tient un homme qui était devant le temple de Salomon et il est arrivé guéri. À cause de sa guérison-là, attrape un apôtre, prend Zot dans prison et menazot. Un peu finir l'azote, remène l'azote encore, des autres fins de manière de voir les causes sans langage encore. Mais nous tous connaissons Pharisée qui, dans verset 13, il dit à nous qui, ben apôtre, continue par le nom de Jésus avec assurance. Il dit à nous très clairement, lorsqu'il vit l'assurance de Pierre et Jean, il les reconnut pour avoir été avec Jésus. Quelle est la différence, la pharisée? L'assurance que tu tiens en autre, tu démontes que tu es quelqu'un qui est dans le Christ, que tu tiens avec Jésus. Un chrétien, c'est un quelqu'un qui a l'assurance dans Jésus-Christ. Sur l'assurance, c'est causé. Sur l'assurance, permet de les comporter d'une façon. Peuple de Dieu. Laisse-nous penser un petit peu, laisse-nous réfléchir. Laisse-nous faire un examen de soi. Est-ce qu'il nous peut comporter nous comme un vrai chrétien? Philippiens, chapitre 3, verset 18. Il dit, il y a plusieurs. L'apôtre Paul, décrit, ben Philippiens, il dit, il me trouve un plaisir. Qui peut mordre en ennemi de la croix de Christ. Qui veut dire, je peux dire que je suis chrétien, mais c'est moi. La façon qu'ils se peuvent comporter, c'est le contraire qui ce qui le Christ dit. Un chrétien, c'est un quelqu'un qui connaît Jésus-Christ. C'est un quelqu'un qui fait l'expérience avec bon Dieu. C'est un quelqu'un qui naît de nouveau. C'est un quelqu'un qui a le Saint-Esprit en lui. Un quelqu'un qui parle en langue. Qui croit dans le Dieu véritable. Un quelqu'un qui peut vivre dans la sainteté. Dans la piété devant bon Dieu. Qui peut obéir à Dieu tous les jours de sa vie. Qui peut vivre
pour flair, plaisir, simplement bon Dieu. Et nous sommes versés pour ça. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Mais nous connaissons les pharisiens qui, la religion traditionnelle, les fait associer lui-même avec ce mot chrétien là. Qui fait passer le cause Jésus? Nous faisons un petit sermon, le Jésus-Christ. Et Jésus dit très clairement aux pharisiens, dans Marc chapitre 7, verset 13, il dit: je peux annuler la parole de Dieu par cette tradition, mais pourtant je te remplis avec ma tradition. Ban rite, ban cérémonie. Et la vie traditionnelle, pharisien, ce n'est pas la vie chrétienne. Et la vie chrétienne, ce n'est pas la vie traditionnelle. Si nous, la vie est monotone et traditionnelle, il définit très clairement, ce n'est pas la vie chrétienne. Parce que la vie de Christ, ce n'est pas la vie qui morte, ce n'est pas la vie monotone. Non, pharisien, la vie chrétienne, la vie avec Christ, c'est une vie mouvementée, remplie de vie. Et la vie, comment dire, vivante, remplie de puissance. Et la vie pharisienne qui permet de nous aller de gloire en gloire et progresser dans la vie. Si nous, la vie pépitine en place, pharisienne, c'est simplement la vie traditionnelle. Cela ne peut faire ça les tout là, pharisienne, sans vouloir accuser personne, sans vouloir juger personne. Mais simplement pour motiver nous, pharisiens, pour prendre une décision, afin que la vie chrétienne devienne réellement cette vie chrétienne digne, comment on dit, d'une vie chrétienne. C'est bien dans Antioche, dans toute une population. Vous voyez, à Antioche, il y a beaucoup de juifs qui habitent dans cet endroit-là, mais il y a aussi beaucoup de gentils, comment on appelle les gentils, veut dire de païens, qui habitent dans cet endroit-là. Et tout le temps, il y a un conflit en eux, dans le sens qui ben zanti, ben dia, ben païen, ben qui par contre le Dieu véritable. C'est tout le temps comme s'il y a une casse-tête en rapport avec la religion juive. Mais quand Paul et les autres, qui rentrent dans cet endroit-là, pharisien, ils ont fait n'importe l'évangile de Christ, cette vie nouvelle, cette nouvelle créature en Jésus-Christ. Cette vie bénie, remplie de transformations, qui permet de nous faire l'expérience avec Dieu, la pharisienne, c'est comment se trouve la différence. À quoi ça me dit ça maintenant? Ça maintenant, c'est quelqu'un qui croit dans Christ, ça maintenant chrétien, ça. Right? En rapport avec l'autre. C'est ça qui fait la différence. Mais malheureusement, pharisienne, quand nous sommes dans la société, dans le monde entier comme ça, beaucoup de gens qui ont besoin de chrétiens, mais pas pour autant qu'ils peuvent vivre comme un bandit, demandent comme un chrétien. Pas pour autant. Vous connaissez avec Saint qui s'écrit si tu gagnes beaucoup de problèmes, pharisiens, quand tu viens de la terre. Il n'y a pas un problème avec même païen, lui. Non, pharisiens. Il y a un problème plus beaucoup avec même quelqu'un qui dit que c'est un bon Dieu. À cause même qui s'écrit, il fait un reproche. Il dit si ça manque des miracles que je peux trouver là, tu arrives dans tel endroit, dis-moi, tu peux finir répandu. Je te trouve même, je ne pas répandu, dis-tu. Et tu peux faire réponse qui fait ben pharisien, ben script du temps croient qu'ils ont même détenu la vérité dans le sens que la vérité repose les autres la vie. Mais en réalité, moi je peux faire réponse, je finis annule la parole de Dieu, je annule la parole de Dieu. La parole de Dieu n'est pas capable pour les souffrir en autres, n'est pas efficace en autres qui fait. Pour cette tradition, c'est la vie traditionnelle. C'est la vie traditionnelle, ça m'a dit qu'il y a. C'est ce qui est un gros problème. Si à un moment donné, pharisien, au commencement, que la parole de Dieu vient à l'île Maurice, quand la pharisien, quand le monde qui soit à 10 ans, dit aux chrétiens, c'est même si pas un plus grand persécuteur dans l'île Maurice. Qui fait? Parce que Dieu était éteigné à la vérité, parce que je disais qu'on est Christ, depuis longtemps qu'on est Christ. Mais on ne faisait pas de ce qu'on a. Et tu n'as seulement non là. Mais l'expérience ne va pas le faire. Changement là-bas, finena. Transformation là-bas, finena. Ça, c'est vous qui faites la différence. D'accord? Ce qui veut dire, peuple de Dieu, la tradition lui empêche de nous faire l'expérience avec mon Dieu.
Mais Dieu voulait qu'il nous fasse l'expérience avec lui. Comment nous pouvons faire l'expérience avec lui? Quand nous arrivons à comprendre que la vie spirituelle, la marche avec Dieu, c'est un autre la vie. Ce n'est pas juste traditionnel, ce n'est pas de la vie traditionnelle, ce n'est pas de la vie monotone, ce n'est pas de la vie qui ressemblait. De fin tout le temps, Dieu sa farisseur. La vie spirituelle, qu'on appelle la vie chrétienne, de commencer par une manifestation surnaturelle de Dieu. La vie spirituelle. La Bible dit à nous, pharisiens, que le jour de la Pentecôte, environ 120 disciples, tu es rempli de Dieu, tu es rempli du Saint-Esprit, de commencer d'une façon surnaturelle. La vie spirituelle de commencer d'une façon surnaturelle. C'est ça qui fait la différence. Si nous amènons la vie chrétienne, pas nous-mêmes, pas nous façons, lis pas pour marcher, pharisiens. Si nous sommes vivre pour plaire à Dieu, lis pas pour marcher, pharisiens. Lis simplement pas pour marcher. Dieu voulait qu'il nous fasse l'expérience de ce mouvement du Saint-Esprit-là dans nos vies, cette visitation de Dieu dans nos vies, afin qu'il nous capable, frères et sœurs, vivre la vie spirituelle comme on a besoin de vivre. D'ailleurs, la vie chrétienne de commencer d'un point de manifestation du Saint-Esprit, des jours de la Pentecôte, elle est continuée par l'assistance du Saint-Esprit. Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 31, dit nous, l'Église tient en paix et tu peux croître. Voilà l'assistant du Saint-Esprit, veut dire nous la vie, il grandit, il progresse, il avance par l'assistance du Saint-Esprit. Peuple Dieu, pourquoi on peut comprendre ou simplement peut comprendre ce qu'il nous peut dire. Le peuple Dieu, me réjouit bien, un quelqu'un qui est en Christ, nous fait une cause de là, c'est d'un temps de mardi, c'est un quelqu'un qui fait l'expérience avec Jésus-Christ. Il est en Christ. Un chrétien, c'est un quelqu'un qui est en Christ. De Corinthiens, chapitre 5, verset 17, dit à nous tout simplement, tout bon quelqu'un qui est en Christ, c'est une nouvelle créature. Dis avec moi, nouvelle créature. Quand quelqu'un dit en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes finissent passées. Un thème, dis-nous, pharisien, une interprétation, dis-nous, une version, dis-nous, une disparaître. Une perdit. Nous perdit sa ancienne identité là même. Perdit. Une nouvelle identité maintenant. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Un chrétien, c'est un quelqu'un qui sur la vie. Les nouvelles maintenant. La vie ancienne les disparaît. Il ne faudrait pas, pharisiens, qui nous prend la vie ancienne, sauf façon de faire, sauf façon de raisonner, sauf bonne attitude, sauf bonne réaction, sauf croyance, sauf bonne comportement, et nous mélange avec sa nouvelle vie-là, ni pas pour marcher, pharisiens. C'est ce qui se même dit, nous ne pouvons pas prendre la toile qui vieillit. La toile qui dessirait, vieille, nous coudons la toile neuf avec ça, dessirait là pour une plie pierre encore. Et je ne suis pas capable de faire du vin, un bon vin, nous mettons dans une vieille outre, ça ne fait pas beau. La nouvelle vie, c'est une transformation, c'est une la vie transformée, une la vie totalement différente. Elle la vie de Dieu, elle la vie qui permet nous avancer avec mon Dieu, elle la vie qui permet nous faire l'expérience avec Dieu. Alléluia. D'accord? De Corinthiens 5, verset 17, dit à nous, ceux qui sont en Christ sont une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Colossiens 5, 3, verset 3. Les genoux pharisiens, un quelqu'un qui est en Christ, sur la vie est caché dans mon Dieu. Caché. Je veux dire, ou en Christ, ou en dans Christ. Bon, déjà, dire où ça m'a donné l'expression là.
Quand le diable est tout, il n'est pas trop vous, il trouve Jésus-Christ. Est-ce que vous la même? Mais si le diable, quand il est tout, il encore trouve vous, vous avez un problème. Vous ne pouvez pas encore rentrer en Christ. Il faut que quand il est tout, il trouve Jésus-Christ. Oh! Tant qu'il n'est pas trouve Jésus-Christ, frère et soeur, veut dire, vous ne pouvez pas encore rentrer en Christ, capable, ou ne pas finir de nouveau, ou ne pas finir d'accepter Jésus-Christ, comment besoin reste accepté? Vous ne pouvez pas marcher avec lui, comment besoin marcher? À cause même qui, quand il est tout, il trouve vous, ou même, comment vous étiez depuis l'enfance. Il est tout, il taquine nous, il fait ce qu'il est content avec vous. Mais quand on est en Christ, quand il est guetté, il trouve Christ, frère et soeur. Et tout ça veut dire tout Christ. Mais dis-nous comment ça peut être. Est-ce que vous pouvez comprendre? Le peuple de Dieu, il est tellement important, c'est ce que vous pouvez dire. Où? Il est trop important, mais c'est ce qu'il nous peut causer aujourd'hui, frère et soeur. Il est trop important. À cause même qu'il nous trouve la vie spirituelle, et pas sans la vie spirituelle digne de cette vie spirituelle qui t'y bien été comme nous connaissons lié à les actes des apôtres. Oui, frère, nous tenons un chrétien qui des années, de... certes, nous comprenons que c'est quelqu'un qui fait commencement avec Jésus, il a bien fait une expérience avec Jésus. Mais nous trouvons un chrétien qui des années, commence avec Jésus, c'est encore esclave, c'est encore tourmenté, c'est encore bouleversé, c'est encore bien père, c'est encore pas connu qu'il se pouvait faire, c'est encore manque l'assurance, c'est encore connu qu'il se pouvait faire. Mais là, frère, nous posons la question, est-ce qu'il est en Christ ou bien tu pas en Christ? Est-ce qu'il vraiment te fait faire l'expérience de la nouvelle naissance? Est-ce qu'il vraiment te fait croire dans Jésus-Christ comme tu as besoin de croire? Est-ce qu'il vraiment te fait marcher avec lui comme tu as besoin de marcher ou bien tu n'as pas marcher comme tu as besoin de marcher? À cause même que le diable gagne l'avantage de nous laver. Je ne pas dire qu'on peut passer dans l'épreuve, le contraire, je peux montrer comment passe pas dans l'épreuve, ils font partie dans la vie spirituelle ou un enfant de Dieu ou il passe dans l'épreuve qui fait parce qu'à la fin de la journée, comme on dit, at the end of the day, à la fin de la journée, c'est qui? Où vous sortez plus que vainqueur là-dedans. La victoire est d'un haut côté. D'ailleurs, quand on passe dans une épreuve, vous, d'avance, vous finissez de trouver que vous sortez là-dedans. Vous commencez à louer mon Dieu, vous commencez à glorifier le Seigneur parce que vous connaissez ou simplement connaissez que vous êtes bien sorti là-dedans. Vous ne pouvez pas rester là-dedans, dans cette situation-là. On dit cette situation-là, pas vous gagner rester dans la vie. Il ne pas rester dans la vie, cette situation-là. Il n'est pas gagner droit de rester. Dans la vie. Il fait partie en Christ. Il peut la refaire semblant qu'il est capable de faire dominer, mais au bout de la victoire, le lit. Le peuple de Dieu, il est tellement important. Nous, la vie, lit, caché en Christ. Nous, verset à verset, la frère, c'est 1 Pierre. 1 Pierre, le chapitre 4. Ça, c'est un verset qui cause de nous un mot chrétien là. Il cause nous 1 Pierre chapitre 4, verset 16. Si quelqu'un souffre comme un chrétien, souffre comme un chrétien, qu'il en ait point honte, qu'il ne faudrait pas lui gagner honte, la honte, quand il peut souffrir comme un chrétien, que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Il est bien plutôt quand il peut souffrir à cause d'un chrétien qui en Christ, pas un chrétien qui nous connaît traditionnel là, hein? Un mot chrétien traditionnel là, parole de nos cocolates un coup là, ancien là, hein? Il est un chrétien longtemps, hein? Pas ça ne veut cause à où là? Ne veut cause à la vie en Christ là, hein? Il dit qu'il ne faudrait pas lier la honte pour ça, dit mon là. Il ne faudrait pas les considérer ça comme la honte. Tiens, comment est-ce que tu veux dire ça, mon mot là? Mais plutôt qu'il donne gloire à Dieu pour ça, qu'il y a un non-chrétien là. Il y a une fierté, il y a un privilège, il y a une grâce, il y a une faveur, il y a un honneur, quand on appelle chrétien, pharisien. Et on a dit, mon père, vous dites que vous êtes chrétien. Vous connaissez ça? On a dit, mon père, vous dites qu'il est chrétien. Qui fait? Parce que bien sûr, dans Maurice, quand il y a chrétien, associé avec une certaine communauté. Père vous dire. Mais en fait, tu connais qui veut dire chrétien, frère chrétien? Ne finissez que tout ça, les temps-là. Il dit ici, là, si un quelqu'un peut souffrir comme un chrétien, il vient donner gloire à Dieu parce que c'est une fierté, ça. Un grand nom, ça, non, chrétien, là. Il n'est pas un simple nom. Le verset dit, c'est un nom, un mot puissant. Chrétien, c'est puissant, ça. Un dit, highest. C'est un nom plus là-haut, ça, chrétien. Quand un chrétien, par exemple, Christ,
Jésus-Christ, ce nom, il a tout dans nos kénas. Mais quand on est en Christ, veut dire aussi, on est dans sa même dimension avec lui. Là. C'est moi, on lit, hein, en Christ. De toute situation, de toute circonstance, c'est un tout un moment difficile, c'est un tout une circonstance compliquée qui pouvait faire face, mais seulement, hein, ou pour remporter la victoire, ou pour triompher. Bon, il faut dépendre, il faut les considérer comme un larron. Qui veut dire un larron? Comme un déshonneur. Aïe, chrétien, aïe, déshonneur, ça. Hein? Comme dégradant. Comme si on peut servir un mot qui est abaissé, qui est au bas. Une affaire qui est méprisable. Il n'y a faut pas. Si on peut souffrir comme un chrétien. Souffrir là qui veut dire, ou malade. Non, pharisien, pas maladie, mais cause là. Parce que quand on vit un enfant de Dieu, né de Dieu, quand on est en Christ, quand on est chrétien en Christ, chrétien en Christ, au bout d'une persécution. Parce que quand quelqu'un qui est en Christ, pharisien, et quelqu'un qui est en Christ plutôt, il n'y a pas de vivre pareil que tout le monde vive. Il y a une différence dans ce lavé. Il n'y a pas de vous plaire n'importe qui s'en a, il vous plaît seulement bon de tout seul. Il n'y a pas de vous obéir à tout n'importe qui la voix. Il n'y a pas de seulement obéir à la voix de Dieu. Il n'y a pas de vous soumettre à n'importe qui et n'importe quoi. Il n'y a pas de soumettre seulement à Dieu. Il n'y a pas de persécution, pharisien. C'est ça qui beaucoup de fois, pharisien, nous accepter, régner nous la foi. Régner nos croyances. Père pour dire la vérité concernant nous, la vie qui fait à cause de persécution. Qui se pour dire, qui les autres pour dire, qui bonne camarade pour dire, qui bonne famille pour dire, qui belle-mère pour dire. Tu peux souffrir le moment que tu servis à nos chrétiens-là, en Christ. Tu peux souffrir, tu peux gagner une pression, tu peux gagner un divan, tu peux gagner une attaque. Tout ça là pour venir faire ici, pour le faire décourager, pour faire sortir en Christ, en dehors de Christ. Tu es en Christ là, tu fais sortir en dehors de Christ. Comme si sortir l'oreille. Examine un petit coup de faire ici qui n'est capable d'arriver nous-mêmes. C'est une zone où finit arriver vraiment et. Mais passe à côté, les clairs et nets, besoin d'une petite chose qui n'arrivait, besoin d'une circonstance qui finit arriver, ou bien une parole, ou bien une persécution, ou bien une circonstance, une situation, hein, qui finit venir et qui finit pousse nous pour passer à côté. Nous pouvons gagner ça, pharisiens, c'est ce qu'il dit la parole de Dieu, plutôt dit ça dans Timothée. Tout bon quelqu'un qui peut marcher pieusement en Jésus-Christ, qui peut marcher comme un bon Dieu, marcher, qui pour vivre comme un bon Dieu vient vivre, il dit seulement qu'il y en a pour gagner persécution. Ils font pas dire, frères et sœurs, ou pour gagner persécution dans la vie, moi, besoin prophétiser ça. Ah, je peux prophétiser. Moi, je peux prophétiser là. Vous pouvez dire où c'est que la Bible dit, quand on marche piègement avec Jésus-Christ, vous persécutez. Vous pas envie de gagner persécution, c'est facile. Vous pas envie de dire que vous causez, c'est facile. Marche comme un autre, cause comme un autre, comporte comme un autre, tout correct, frères et sœurs. Mais le moment que vous prenez décision pour moi, c'est ma bonté, demandez moi, c'est ou pour gagner persécution, pharisien. En Tchèque, ben tu connais la différence, tu trouves qu'il y a une différence. Dis-moi, nous avons trouvé une différence dans nos vies, pharisien. Dis-moi, nous avons trouvé. Une des mêmes raisons, plus grande raison, même capable de dire, que mon bonne famille qui a accepté Jésus-Christ, ça m'a pas dit, ou les autres, j'ai déjà dit ça, m'aurait dit, ou les. C'est parce que tu trouves sensement, pharisien. Si tu ne pas trouves sensement, tu ne pas prendre décision. Si vous êtes mort avec Jésus, tout est pareil, moi, tu as été longtemps. Mais dans sensement. Quand il trouve sensement, pas besoin de dire, il vient avec Jésus, mort avec Jésus. Il trouve sensement, même lui, pour mort avec Jésus. Il n'y a pas ce mot trouver sens, c'est ça qui est là. Vous trouvez quand il fait quelque chose, il réussit là-dedans. Vous trouvez dans la foi, rester. Vous trouvez content de prier. Parce qu'il veut aller en Christ. Parce que quand on est en Christ, je me pose une question. Est-ce que Jésus-Christ est content de prier ou pas content de prier? Content de prier? Mais sinon, on lit. Qui veut dire? Nous sommes content de prier. Est-ce que Jésus-Christ est dans la compassion ou pas dans la compassion? Mais sinon, en Christ, nous sommes dans la compassion.
Est-ce que vous êtes la même? Tu sais qui Jésus est non, parce que nous, en ligne, nous connaissons, non? Le peuple de Dieu ne peut pas prendre de décision. La vie spirituelle, c'est une vie d'exercice. Ne peut pas prendre de décision. Même pratique, ne peut pas prendre de décision. Pour permettre ce que bon Dieu les fait dans nos vies, les simplement réaliser dans nos vies. C'est nous qui prenons la décision. Bon Dieu, pas pour qu'on fasse rien pour nous, tente nous pas donner l'occasion pour faire ce qu'il pense pour faire dans nos vies. Nous pour souffrir, nous pour maltraiter, nous pour subir, nous pour gagner persécution, nous pour gagner des gens contraires. Il y en a qui ne pas pour compter en nous, ils causent mal contre nous. Donc, mais ben fausseté, là, nous fausseté. Si tu ne peux pas mettre le haut, frère, c'est quand contre Jésus, quand on est en Christ. Qui se pas fait mettre le Jésus, frère et sœur? Qui se fait oser cause mentir, le Jésus, qui se peut mentir, le nous aussi? Seigneur, tu connais, tu as subi ça, mais qui soit là pour qu'il ne pas subir ça. Tu as cause beaucoup mentir, le temps pour ne pas cause mentir, le master. Non, pas ça, ça. C'est une cause mentir, le Jésus, qui se peut mentir, le nous aussi? Se fait maltraiter, Jésus, qui se peut maltraiter, nous aussi, pareil. Si Jésus, qui fait subir, nous aussi, nous pouvons subir. Ah, parce que c'est ce que je ne suis bien dans mon plan, moi bien subir, pas ça. Si vraiment nous sommes en Christ, nous pouvons gagner les frères et sœurs. Et nous disons pourquoi mettre le bâton dans la roue, dans nos vies. Pour autant personnel de l'avant. Et nous disons pour décourager nous. Mais nous avons besoin demeurer en Christ. Les Jésus prennent contrôle. Quand nous dans le Christ, c'est ce qui prend contrôle. À cause de ça, je ne dis pas qu'il n'y a pas inquiété qui était pour manger, qui était pour boire. Ou tous les esprits s'inquiétaient qu'il était pour manger, qu'il était pour boire. Ou tous les esprits versés en papier, tu as dit qu'il était pour rien. On peut réfléchir qu'il était pour manger tantôt. On est tout ça. L'almoyage, comment on dit, une façon de parler, la met dans le pouce. Il y a l'irode dans le moyage. Pénal divin peut finir là-bas. En plus, ça va me vaser avec de l'eau. Est-ce qu'il est dans l'autre? Fais ça. Miracle arrivé. Qui te raconte pour mon pharisien? Est-ce que nous connaissons quand nous en Christ, pharisien, nous sommes capables de permettre qu'il y ait une circonstance changée dans nos vies? Nous sommes capables de permettre que ça une malédiction qui nous allait? Il ne faudrait pas nous tenir dans une position pharisien comme si subir, laisser aller. Les circonstances, comment il peut aller? Nous en Christ maintenant, pharisien. C'est ce que tu sens dans les circonstances quand tu es passé. Là, dans le mariage, miracle dans le mariage. Nous, si nous sommes dans le mariage, nous sommes ici pour remplir nos ventes. Après, nous viennent bien manger. Et si nous viennent bien manger, c'est nous, critiques le mariage. On dit que c'est un mariage, ça. C'est que tu as invité, là, ça. C'est ce que ça allait, mais pourtant, peut manquer, il y a un manquement, là. Il fait la différence. Dans la vie du monde. Merci, Seigneur, gloire à Dieu. Le peuple de Dieu. Vous pensez qu'il est désimportant, là, nous vous en faisons la prochaine fois. Mais nous allons essayer de rentrer là-dedans. Mais tout est-il que. Il tient ici. Nous bien souffrir. Ne pas considérer lui comme un déshonneur si nous n'appelons les chrétiens. Mais plutôt. Nous glorifier bon Dieu pour ça. Glorifier Dieu à cause de ce nom. Nous bien dire Seigneur, mon remercie-toi. Qui te fait permettre que je vienne un chrétien, pas père Boudia. Je me rappelle un tonton. Un tonton. Ouais. Son frère est mort. Et son frère est converti. Et tonton là, si. Et tu peux commencer à connaître le Seigneur, à connaître la parole. Je me rappelle que tu as le sang l'enterrement là. Étant dans la cour, tu peux faire l'enterrement. Il connaît bien ça, quelqu'un qui peut faire l'enterrement, on l'appelle pasteur. Il connaît pasteur, appelle ça. Et quelqu'un dit, qu'est-ce qu'on peut causer? On peut faire serment sur l'affaire, serment, hein, serment, pas serment, mais serment. Hein? Il dit, ça maintenant, ça m'a massé, il n'a pas terre, massé de masse à terre, tout ça, il peut dire. Il connaît, on l'appelle pasteur, il dit, massé de masse à terre. Et vous trouvez, il dit, qui dit ça? Massé de masse à terre. Il n'est plus connu qu'il appelle pasteur, tout ça. Donc, gloire à Dieu, pas père, pharisien, qui voit un chrétien. Donc, tu as besoin de mission. Comme ça, moi, dans la mission,
Quand tu peux aller, on peut aller mission. Quitte ça. Hein? Ou un enfant de Dieu, papa vous dit ou un enfant de Dieu. Et si tu ne rentres là-dedans, oui, moi aussi je rentre là-dedans. Qu'est-ce que c'est ça? Qui ça rentre dans qui? Dans qui ne rentre là? Et si tu ne rentres là-dedans, quand ça te rentre? Moi, pas connais. Quand tu rentres, moi aussi je rentre là-dedans. Depuis quand tu es là-dedans? Moi, là-dedans, depuis 10 ans. Tu es là-dedans depuis 10 ans, depuis 20 ans, moi là-dedans. Mais depuis ça, quand il était là-dedans, là, qui t'a gagné de ça là-dedans? Là? Comment là-dedans, là, fin affecter la vie, fin influence, toi? Hein? Ça peut être ça là, bon. Donc, c'est moi, tu es là-dedans même. Ok? Moi là-dedans. Qu'est-ce que c'est ça? Nous en Christ, frère. Ce qui. Tiens, pas peur pour dire nous en Christ. Pas peur. Moi là-dedans. Qui sont ceux qui là-dedans? Qui sont ceux qui en Christ? Oh! Non, Christ, frère, c'est pas peur pour dire qu'on est en Christ. Là, le diable connaît qu'on a l'autorité ou position. Là, quand il revient taquer nous, là, il a donné ce qu'il a donné, sa quantité, on nous dit. Donner sa quantité même. Et quand, ou même ou pas chier, ou même qui vous était. Ou pas qu'on aime qui vous position en Christ, qui vous arrivez. Et là, il fait dominer. Merci Seigneur. Laisse-nous maintenant des bouts de pharisiens. Laisse-nous maintenant des bouts. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit exalté. Alléluia. Louange à toi. Laisse-nous faire sa confession là, détourne-nous l'équerre. Vous vous demandez aux pharisiens, nous fait lire détourne-nous l'équerre. Détourne-nous l'équerre là veut dire que vous faites moligier ou concentrer le ce qui vous peut dire. C'est un appel de tous les cœurs, là, ça. Parce qu'il n'a pas fait con. Parfois, quand on dit à tous les autres les cœurs, il dit, ouais, de tous les cœurs, là, il peut être à plat, tu vois. Comment on voit ça, de tous les cœurs? De tous les cœurs veut dire, tu connais qui te peut dire, tu connais qui te peut dire. Right? Et tu dis, lien avec la foi. Seigneur, tu crois dans ce qui te peut dire. Pas seulement tu connais qui te peut dire, tu crois dans ce qui te peut dire. Dit tellement rien. Il dit, Seigneur, mon Dieu, nous remercie-toi qui te fait nous permettre. Qui nous fait l'expérience avec Jésus-Christ. Nous remercie-toi, Seigneur, qui te fait de nous, Jésus, pour sauve-nous, pour pardonne-nous, pour justifier-nous, pour faire nous vivre tes enfants. Oui, Seigneur, mon Dieu, nous conscients, Seigneur, nous croyons qu'en Jésus-Christ, nous faisons vivre un enfant de Dieu, un enfant du royaume, un enfant de la justice. Oui, Seigneur, mon Dieu, te peux permettre, Seigneur, qui en Jésus-Christ, nous la vie transformée, où nous venons une nouvelle créature. Te permettre-nous, Seigneur, participe dans ta nature. Oui, Seigneur, mon Dieu, oui, Seigneur, mon Dieu, nous le glorifions, toi, qui maintenant, Seigneur, te fais permettre que nous venions ben chrétien, ben enfant de Dieu. Ben qui ken, Seigneur, qui en Christ, qui croit dans Jésus-Christ, qui suivent le Seigneur Jésus. Nous l'amorcent avec toi. C'est un amorce béni, un amorce de réussite. Te permette-nous, Seigneur, trouve le succès et triompher en Christ. Nous, en Christ, ta parole, dis-moi, Seigneur, nous cacher, nous cacher, nous cacher en Christ, nous la vie. Les cacher en Christ. Oui, Seigneur mon Dieu, nous croire qu'il le moment qui nous la vit, les cacher en Christ, tout bien l'influence, l'extérieur, pas pour aucun pouvoir, pas pour que pas triompher, l'eau nous la vit, parce que nous en Christ, nous enracinés, en Christ, nous fondés. En Christ, oui Seigneur mon Dieu, nous remercie-toi qui à travers Jésus-Christ, te fin donne-nous le pardon, te fin pardonne-nous Seigneur, te fin justifie-nous. Maintenant Seigneur, nous n'a libre accès devant ton trône, nous un enfant du royaume. Oui Seigneur mon Dieu, tu sais qui tu es là, libre pour nous Seigneur, te permette-nous Seigneur, jouir le bonheur. Et toi la grâce, les accompagne-nous, Seigneur, chaque jour de nous la vie, dans le nom de Jésus. Nous demandons-toi ce matin, te pardonne-nous, Seigneur, pour à chaque fois,
pour à chaque fois qu'il nous pas fin réaliser, nous pas fin prendre en considération qui nous en kiken, qui en Christ, nous en chrétiens, nous en Christ, de l'option Seigneur, li au-dedans de nous, de l'option, li enveloppe nous, nous fait ta volonté, nous mande de s'aimer. Oui, Seigneur notre Dieu, t'es un Dieu de grâce, t'es un Dieu de miséricorde, tout ce qui Jésus est narrant-li, l'y manifester au travers de nous, au travers de nous, au travers de nous. Oui, Seigneur mon Dieu, nous confesser, nous déclarer que nous la vie, l'y n'est plus pareil, nous la vie, l'y transformer, nous la vie, l'y bénir en Jésus-Christ. En Jésus-Christ et en Jésus-Christ, nous tapons la main bien fort pour le Seigneur ce matin. Alléluia. Que ton nom soit béni, Seigneur. Que ton nom soit glorifié.